Et on va prendre tout de suite la direction de la Suisse pour y rencontrer les premières nouveautés automobiles du millésime 91. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'automobile et de la moto passion, un turbo consacré dans sa totalité aujourd'hui au salon de l'automobile de Genève. Alors pour nous situer géographiquement, on est à Chamonix, sous la tempête, avec un Mont Blanc qui nous fait des cachotteries derrière les nuages et dont on découvre simplement aujourd'hui le superbe glacier des Bossons. Et puis cette Porsche 911 Turbo, c'est 320 chevaux, on va voir ça. C'est 270 km/h, on va le voir également. Et puis une injustice que je voudrais réparer parce que je trouve pas normal que nous seuls ayons le privilège de monter dans ces voitures de rêve. Je vous en parlerai tout à l'heure un peu plus encore en fin d'émission. Tout de suite donc, direction Genève, où nous attendent nos caméramens et Philippe Fauconnier et Raphaël Walter. Raphaël Walter qui va nous faire découvrir la nouvelle Mercedes, la classe S, une voiture hors de portée de la plupart des portefeuilles. En tout cas, un monument de technologie, une voiture admirable. L'événement du salon de Genève sur le stand Mercedes, on affiche complet avec la nouvelle Classe S. Et depuis sa présentation, les observateurs ne tarissent pas d'éloges sur son compte. La plus belle, la plus évoluée, la plus luxueuse, bref, les superlatifs se multiplient à l'infini. Mais il faut bien avouer que Mercedes a réussi là un coup de maître, tout d'abord en ayant conçu une nouvelle voiture, tout en conservant cet esprit maison auquel la clientèle est très attachée. La classe S se décline en 4 modèles, 300, 400, 500 et bien sûr 600 en version rallongée. La fabuleuse 600 SEL et son nouveau moteur, 12 cylindres de 6 litres développant 408 chevaux. Mais c'est à l'intérieur que l'on prend pleinement conscience de la sophistication de l'ensemble. Les détails, trop nombreux pour tous les citer, signalons tout de même le double vitrage, la fermeture assistée des portes, les sièges arrière réglables électriquement, tout comme les appuis-têtes, et deux airbags à l'avant. L'équipement est tout simplement somptueux. Les prix exorbitant bien sûr de 400 à 850 000 francs, ce qui n'inquiète pas outre mesure Mercedes, persuadé que la demande sera supérieure aux capacités de production et nous le croyons sans peine. La classe S est attendue au mois de mai sur notre marché où Mercedes France prévoit d'écouler 150 600 SEL par an. Et j'aurai le plaisir de vous présenter un essai complet de cette nouvelle classe S Mercedes la semaine prochaine. Ce sera dans la région de Saint-Tropez et en exclusivité dans Turbo. Salut, c'était Turbo.